Salam alaikum, c'est reparti pour les vlogs. Ce matin j'ai fait une grasse matinée, j'étais trop fatiguée, vraiment. Je vais me doucher et on se retrouve, ok? Une bonne chose de faite, je vais appliquer ma crème. Je vais appliquer ma crème. Je vais mettre ça, j'aime bien cette crème. Enfin, c'est pas une crème, c'est une gelée. Et comme il fait chaud ici, c'est parfait parce que c'est pas gras sur la peau. Je vais utiliser ça. C'est parti, une machine. Alors, j'ai ma table de prête ici. Mon linge, j'ai plein de linge à faire, à repasser. Et je vais en profiter donc ici. Je vais écouter Mahmoud Khalil Al-Houssari, Jouz Amma. Ça me permet de réviser et c'est vraiment un récitateur que je vous conseille parce qu'il lit très bien, lentement et vous entendez vraiment toutes les règles de Tajwid quand il lit. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors je vais d'abord aspirer les tapis, ensuite aspirer le reste. Allez, c'est parti, on va commencer par la chambre des filles. Alors ce tapis, je l'aime beaucoup, il vient du Maroc, c'est un tapis berbère. Mais alors là, il perd énormément de poils, énormément. Donc, j'hésitais même à le revendre. Allez, on y va. Bon, je vais m'attaquer maintenant à cette bibliothèque, ça fait un moment que j'ai pas fait les poussières. Donc du coup, je vais un peu trier, faire le tri et... ouais, parce que là, c'est un peu du n'importe quoi. Allez, on a prié dehors, les enfants ils sont revenus du sport. Et on va réviser la sourate dont je vous parlais hier en story. Elles sont en train d'apprendre. Sourate est Zelzela. Qui veut dire tremblement. Tremblement de terre. Tremblement. Alors, on va enlever ici. Madame, tu peux m'aider s'il te plaît? Merci. Et on va mettre les fiches au tout début. Donc regardez là, on a deux sourates à apprendre. Il y a Al-Alaq. D'accord, et celle-ci. Donc vous devez apprendre les trois versets pour la semaine prochaine. Rania, est-ce que tu te souviens du premier verset? Oui. Vas-y, bismillahirrahmanirrahim. Ida zilzal. Ok, Mariam, tu te souviens? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. C'est bien, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Alors on va regarder les dessins. Rania, tu peux lire ce qu'ils ont écrit? When the earth is shaken with its final earthquake. Ok. Numéro 2, regardez, c'est ce que je vous ai expliqué. Que la terre va faire sortir tout ce qu'elle a en elle. Alors, wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhrajatil ardu athqalaha. Alors, madame, c'est lui. And the earth brings out its load. Tu vois, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, ce qu'ils ont mis, ils ont mis des humains. Il y a des animaux, ils sont en train de s'enfuir. Des pierres, de l'argent, des trésors. Vous vous rappelez que vous avez étudié les pharaons. Les pharaons, ils s'enterraient en plus avec leurs trésors. Bah, tout ce qu'il y a dans la terre, ça va sortir. Ok ? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Vous répétez les faits ? Wa akhrajati. Pas akhrajati. Akhrajati. Al-ardu. Al-ardu. Al-ardu, Mariam, ça veut dire? La prière, al-ardu. Qu'est-ce qui va faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur? Tout ce que... Non, c'est quoi qui va faire sortir? De l'or. Non. Qu'est-ce qui va trembler? Qu'est-ce qui va trembler au jour du jugement? La terre. La terre, donc al-ardu, c'est? La terre. La terre, oui, regarde.
Iza zulzilatil ardu. Qu'est-ce qui va trembler? C'est la terre. Qu'est-ce qui va faire sortir tout ça? C'est la terre. Rania, el insan, ça veut dire l'homme. Donc qu'est-ce qu'il va dire l'homme? What is wrong with it? Voilà, il va se dire qu'est-ce qu'elle a? Wa qala al insanu ma laha. Alors regardez les filles. Tous le deuxième et le troisième ils commencent par ouais. Ça veut dire et, ok, ouais. Et alors regardez les filles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toute la sourate finit avec quoi? La ha. Regarde. Zilze la ha. Répétez. Zilze la ha. Athqa la ha. Athqa la ha. Ma la ha. Ma la ha. Ok. Et regardez les filles, le premier et le deuxième verset, c'est quel mot qui est pareil? Il y a un mot qu'on retrouve, c'est lequel? Regardez. Non, ici, il n'y a pas ouais, Rania. Oui. El ardu et el ardu. La terre, deux fois. Ok? On va essayer de mémoriser les trois versets. Ok? Allez, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. On répète. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض رانيا توت سيل إذا زلزلت الأرض نو با زلزلتي إذا زلزلت الأرض زلزالها سي بيان مريم إذا زلزلت الأرض زلزالها سي بيان وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت با أه رانيا regarde c'est quelle lettre viens voir ici après l'alif c'est quelle lettre c'est le kha donc c'est pas أه c'est أخ وأخرجت وأخرجت رانيا tu essayes إذا pas zulzilati, zulzilati, vas-y. Iza zulzilati l'ardu zilzalaha wa akhrajati l'ardu zilzalaha athqalaha. C'est bien, à toi Mariam. Iza zulzilati l'ardu zilzalaha wa akhrajati l'ardu athqalaha wa akhrajati l'ardu athqalaha wa akhrajati l'ardu athqalaha. On va lire le dernier, mais je crois pas qu'on va le mémoriser tout de suite. OK, wa qala al insanu ma laha idha إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ نَعْ بَزُلْزِلَتِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا وَأَخْرَجَتِ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ وقال الإنسان ما لها on va baisser un peu le son. Ok, vous êtes prêtes les filles? Donc se désaltérer, ça veut dire boire pour assouvir sa soif. Ok, ils ont mis les mots ou pas dans le en dessous? Hardi, c'est quelqu'un d'arrogant. Je vous dis, il était très bien hier soir, il trottait comme un lapin à travers l'appartement. Coucou, comment ça va? Ah, il est déjà 2h50. On a fini le français. Demain, après-demain, elles ont une dictée à l'école, donc on va faire le spelling. Spelling, c'est une dictée. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il me semble qu'il y a votre... Et elles ont des mathématiques. Donc on va terminer ça. Hier, on n'a pas trop avancé parce... Qu'est-ce qu'on a fait hier? Le matin, elles étaient à la mosquée. Et l'après-midi, on était à l'extérieur et ensuite, il y a eu un orage. C'est la première fois de ma vie que je vois un orage aussi violent. Et pourtant, il y en a vraiment pas mal ici à Singapour, mais hier, c'était impressionnant. C'était waouh, franchement incroyable.
Voilà, donc je vais m'occuper de Mariam et Ahmed va s'occuper de Rania ou vice-versa. Et en plus, Haroun, attendez, il faut que je vous montre. Il est en K1, c'est moyenne section. Je vais vous montrer ce qu'il lui donne. Pochette comme ça. Le vendredi, il a une pochette. Alors dedans, il y a un livre. Reading Record. Donc chaque semaine, il a un livre. Mariam, tu veux lui lire le livre, s'il te plaît? Alors, mais ça fait 3 semaines qu'elle lui met... C'est la 3e fois qu'elle lui met le même livre. Je vais lui écrire un mot. Ouais, on l'a lu la semaine dernière et la semaine d'avant. Et alors, en fait, il a des exercices book. Il y a donc maths, anglais, English. Et c'est quoi, c'est deux English? Pourquoi il y a deux English? Alors, ah oui, donc il y en a un, c'est l'écriture, et l'autre, c'est l'alphabet. Non, c'est l'alphabet, et ici, c'est du vocabulaire, tout ce qui est exercice et autres. Donc, du coup, on va faire ça. On va faire ça. Et, madame, tu peux me donner son livre d'arabe. À l'école arabe, il a aussi quelque chose à faire, puisque je l'ai inscrit récemment, puisqu'il n'y avait pas de place pour lui. Et donc, du coup, ils ont terminé le terme 1. Mais comme je lui faisais... Ouais, merci, Mariam. Comme je lui faisais déjà l'alphabet ici, il n'a pas pris de retard. Et le premier, le terme 1, ils ont appris sur la Al-Fatiha, que je lui ai aussi déjà appris à la maison. Par contre, la maîtresse, elle m'a mis un petit post-it ici avec « Dua before leaving the house ». Elle écrit super bien en arabe, machin. Regarde comment elle écrit. Vous voyez? Voilà, donc je vais faire ça avec Haroun. Haroun! Est-ce qu'il voudra faire les devoirs? Ma tita va se calmer. Non, elle va rien dire, ta tita maîtresse Haroun. C'est bien. Et après, on va faire. Tes chaussures aussi, elles sont vertes? Non, mais celles que tu mets d'habitude. Une paire qui est very nice, quand même. Hein? Mais si c'est beau noir, pourquoi c'est pas beau? Ma femme c'est... Non mais non Haroun, c'est beau. C'est beau le noir. Oui, ma femme est bien. Ma deuxième est bien. C'est bête. Ok, alors regarde. Ça c'est ce que tes copains ils ont déjà fait à l'école. Ok? Alors, on a quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Pour dire bonjour, on l'avait déjà vu ça. On dit... Salaïko. S. Assalamu alaikum. Alaikum. Alors regarde Haroun, t'as déjà repassé ces lettres-là. On va prendre un crayon et on répond wa alaykoum salam. Tu peux repasser ici les petits pointillés. Wa alaykoum salam. Après on le fait. Oui, t'as déjà fait, mais c'est dans ce sens-là, Haroun. You start from here. Non, ici. Salam wa alaykoum. Et on répète, on répond wa alaykoum salam. C'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait tes copains? Ça, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'on dit quand on a mangé? Bismillah. Et qu'est-ce qu'on dit quand on a terminé? Alhamdulillah. Very good, alhamdulillah. Ça, tu connais? Oui. Bismillahirrahim. Non, là, on va dire la doua Haroun. Bismillah. Bismillah. Non, répète après maman. Bismillah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Wa la hawla. Alors, j'ai plein de... Petit truc des colis à ouvrir, donc je vais faire un unboxing et ensuite après ça je vais avancer un peu dans ma lecture du Coran. Oui, alors les enfants ils vont regarder la télé un peu et je vais continuer donc ma lecture. Et ici j'ai aussi avec moi, donc je vais continuer ici ma lecture. Et après ça j'ai mon livre ici à côté, ainsi était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'imam Abu Issa At-Tirmidhi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais continuer à lire quelques pages de ce livre-là. Je vous ai lâché? Je voulais absolument aller à la piscine, je les ai ramenés un peu. Haroun, tu prends ton pistolet, mamie. On va ranger. Allez, prends le pistolet. Les filles, vous avez rangé vos affaires? Allez, dans le balcon. J'ai tout lavé les draps, on va tout remettre ça et je vais en profiter pour regarder. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Voilà, la série du docteur Omar Suleiman, une très belle série sur le paradis. Donc je vais mettre ça ici et comme ça, en même temps, j'écoute et. And his entourage is not like the entourage of anyone else. He has... Voilà. Ouf. Une chose de faite. Hop là. On y va, direction la mosquée.
Alors, il prépare son petit sac. On va aller à la mosquée. Aujourd'hui, on va retourner à la mosquée. On va prier le Maghreb, puis le Isha et Tarawih là-bas. Durant tout le mois de Ramadan, vous pouvez prendre le retour à la mosquée. Et c'est la première fois qu'on va y aller. Personnellement, je préfère rester à la maison. Je préfère manger à la maison et ensuite partir à l'heure de l'Isha. C'est bon, Haroun, t'as tout ce qu'il faut? Oui, oui, on y va. Maman. Oui, mon père. Même si eux. Oui, mais ça, c'est trop. On y va? Ok, on va prendre les vélos et on va se rendre à la mosquée. On va manger. Première expérience. Ahmed, c'est la première fois qu'on iftar. Toi, c'est la deuxième fois, Mariam. La dernière fois, je suis venue à Grania, c'était hyper bon. C'est vrai? Maman, je suis venue ou je suis partie? Ah ouais, je suis partie. Maman, j'ai du riz. C'était bon? Oui, avec de la salade. Ok. C'est bon? T'es bien installée? On va mettre la ceinture et c'est parti. Il fait super bon. Et la mosquée, elle est à... En fait, elle est juste au bout là-bas. Derrière là-bas. Quelques minutes de, à vélo. Ah, il fait super bon. Voilà, Masjid al-Istighfar, cette jolie mosquée bleue. Bon, on va ranger nos chaussures ici. Et c'est parti. Bismillah. Entrée. En fait, ils font un set. 4 personnes, donc dedans vous avez, je crois que c'est du biryani aujourd'hui, et vous avez une soupe, un porridge, des dattes, ça ce sont des petits gâteaux locaux. Voilà, on va prier le Maghrib maintenant qu'on a mangé. Voilà, c'était bien. Hein, les filles, qu'est-ce que j'allais dire? On va rentrer parce que Haroun il a de la fièvre, donc du coup Ahmed il est rentré à la maison un peu plus tôt. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. On va se quitter et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!